Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Laszlo Musique. Voilà, alors aujourd'hui, j'ai changé un peu le cadrage, voilà, je vous fais un petit plan sur mes albums, du plan noir qui est dégueulasse. Donc, avant de commencer la vidéo, j'espère que la vidéo sur Roman Elvis Chocolat vous a plu, voilà, elle est toujours disponible sur la chaîne, voilà. Et si aussi la vidéo sur l'album Puzzle de Kikessa vous a plu, voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si elle vous a plu en commentaire de cette vidéo. Mais aujourd'hui, alors j'en ai parlé nulle part. Mais on va parler de Clara Luciani. Voilà, son album Sainte Victoire. Alors, c'est pas l'édition normale, c'est la réédition. Voilà, parce que moi je voulais la réédition parce qu'il y a 4 titres en plus et c'est plus intéressant pour une vidéo de faire l'album en entier. Alors, oui, elle sort une super réédition de Sainte Victoire. Elle sort la super réédition de Sainte Victoire le 22 novembre, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, sinon vous pourrez aller vérifier. Mais voilà, et donc j'essaierai de l'attraper aussi. Mais bon, vu qu'il n'y a que cette version qui est sortie pour l'instant, je vous fais une vidéo sur la réédition normale. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, comparé au CD de l'édition normale, vous voyez que les côtés de son, comment dire, de son manteau, ils sont un peu déformés, voilà, un peu en mode un peu nawak, comme dit Squeezie. Et moi, j'aime beaucoup ce style. Alors, on voit bien, vous voyez, en bas, à la forme que ça a un peu fait un fond vert à l'arrache, ce que j'aime beaucoup, voilà. Alors, elle avait fait une date à l'Olympia. Donc, si vous me suivez sur mon Instagram, vous avez dû sûrement voir les photos. Mais sinon, vu qu'elle va sortir la super réédition, je pense qu'elle va faire des dates de tournée. Sinon, vous pouvez toujours écouter cet album. Ouais, vous pouvez toujours écouter cet album sur Apple Music, Napster, Deezer et Spotify. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, je vais vous montrer la tracklist. Hein. Alors, est-ce qu'on voit bien? Alors, attends, je vais faire n'importe quoi. Je vais reculer un peu la caméra. Alors, normalement, vous voyez tout, voilà. Donc là, donc, on a la tracklist. Donc, en fait, vous voyez en bas les titres en rouge, là. Voilà, c'est les 4 titres en plus. Ouais. Donc, il y a Nu. Bon, ça, ce titre, je pense que vous connaissez. Elle a sorti le clip il n'y a pas si longtemps que ça, et le titre est très bien. Après, il y a Mon Ombre. Voilà. Il y a Qu'est-ce que t'es beau avec Philippe Catherine. Voilà, ensuite, et après il y a Bovary. Donc vous voyez, il y a 4 titres en plus. Et après, dans l'édition normale, il y a La Grenade, La Baie, On ne meurt pas d'amour, Eddie, Les Fleurs, Comme toi, Drôle d'époque, Monstre d'amour, la dernière fois, D'or et Sainte Victoire. Et après, les 4 titres en plus. Ce qui fait en tout dans cette réédition un album de 15 titres. Voilà. Donc ça, c'est le, comment dire, la tracklist. Alors pour la super réédition, les titres seront présentés pareil. Hein. Ce sera comme ça. Voilà. Donc. Et je vais vous montrer l'intérieur du disque. Voilà, donc là c'est une sorte de petite montagne, voilà, ça c'est l'intérieur. Et en fait ça c'est un petit carnet. Et dedans dans ce carnet il y a les paroles de toutes les chansons. Voilà. Même des 4 qui sont juste en plus. Voilà, donc c'est sympa si vous pouvez les chanter, voilà, bref. Et après on a le disque avec écrit Sainte Victoire, Clara Luciani. Et voilà le CD qui est un peu par rapport avec ça. Bon, ça c'est comme l'album de Romeo Elvis, hein. Le disque et l'intérieur ne sont pas, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire, hein. Vous voyez, comparé à Therapy Taxi ou à Angèle, vous voyez, c'est vraiment basique. Mais après, en contenu titre, l'album il est monstrueux, ok? Donc, bon, voilà, c'était la présentation du CD, voilà, et de l'artiste. Alors, je vais vous faire écouter les deux premiers titres de l'album. Bon, alors je pense que vous devez déjà les connaître, mais bon, vu que je fais ça maintenant, je vais quand même vous les faire écouter. Le premier titre, c'est La Grenade. Bon, je vais pas vous parler de La Grenade parce que c'est quand même le tube. Et après, il y a La Baie qui est très connue aussi. Donc, je vais brancher le poste et je vais vous faire écouter les deux premiers titres. Petite anecdote, j'ai voulu tourner la vidéo hier de Clara Luciani, mais mon poste ne marchait plus. Donc, on remercie le poste de l'Asso Musique. Donc, je vais vous amener dans les magnifiques setups que vous connaissez bien. Voilà, petit écran noir. Voilà, tac. Alors, je vais un tout petit peu m'attendre comme ça. Je rentre le disque. Voilà, tac. Pire, vous savez quoi? Attendez, je peux faire un truc. Attendez, je vais essayer de tester un nouveau truc.
Est-ce que je peux essayer de cadrer comme ça? Ouais, non, c'est pas ouf. Vous je tente des trucs, hein, voilà. Donc, je vais vous mettre sur la magnifique tête de Clara, voilà, comme ceci. Et je vais vous faire écouter les deux premiers titres. Donc, le premier titre, c'est La Grenade. C'est parti. Donc c'était le premier titre qui est La Grenade. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ensuite, je vous fais écouter le deuxième titre de l'album qui est La Baie. Attention, écoute. C'est un pan perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre mêler tes cils. Déjà, nous y voilà. Bienvenue sur la terre. Sur la mer, ici, sur la mer.
femme aussi. Rien à se cacher, rien à se cacher. Et le jus des fruits entre leurs doigts vient se glisser. Je pourrais te montrer, pour y aller c'est très facile. Ferme les yeux et laisse s'entremêler des cils. Déjà, nous y voilà. Bienvenue sur la terre. Voilà, le deuxième titre est terminé, donc on va retourner sur le magnifique setup pour la fin de la vidéo. Donc je reprends la caméra. Oui, c'est aussi l'assaut brutal. Alors, tac, et je vous refais le plan. Voilà, alors, je vais débrancher le poste. Je vais le faire après parce qu'elle s'est mis dedans. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Alors voilà, donc j'espère que le cadrage au début sur tous les disques, ça vous plaît plus que le cadrage noir, hein, je pense. Enfin, le cadrage de mon bureau, c'est, on va prendre pour un raciste. Non, pas du tout, hein. Parce que je pense que les cadrages de mes disques, c'est mieux que le cadrage de mon bureau, vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc j'espère que la vidéo sur Clara Luciani vous a plu, voilà. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos qui sont toujours disponibles sur ma chaîne. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et mettre un pouce en l'air et à mettre un commentaire si ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous voulez faire découvrir à vos amis, voilà, ou à n'importe qui. Et surtout, si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir une notification dès que je ressors une nouvelle vidéo. Voilà, donc c'était l'Assaut Musique, on se dit à une prochaine fois et on se tient au jus. Allez, ciao!